Bienvenue à tous dans Kung Fu. À partir d'aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle série du Kung Fu de l'éventail du style Kraiyuan. Les formes du Kung Fu de l'éventail allient Tai Chi Chuan et danse de l'éventail. Bon pour la condition physique, c'est également la jouissance de l'esthétique. J'espère que tout le monde pourra en tirer profit et plaisir. Le premier mouvement, l'ouverture. D'abord, pieds joints, corps droit, mains collées aux faces externes des cuisses, éventail dans la main gauche. Ensuite, on lève le talon, puis la pointe du pied, on écarte et on repose la pointe, puis le talon. Le centre de gravité est au milieu des pieds. Puis, on lève les mains, on inspire, on expire, on appuie et le qi descend dans le bas-ventre. Allez-y avec moi. Ouverture. Le mouvement doit être coordonné avec la respiration. Maintenant, on passe à la poussée horizontale du yin-yang. Le yin-yang est un concept de base de la pensée chinoise antique. Ici, ce mouvement illustre ce concept. Pratiquons-le ensemble. À partir de l'ouverture, les mains décrivent une courbe vers l'extérieur jusqu'au côté gauche. Lors de la courbe, les mains sont tournées vers l'extérieur, puis le haut, et dessinent un ovale. Puis, on lève le pied. Le poids du corps passe à gauche, on ramène le pied et les mains, puis on avance en position de l'arc en poussant avec l'éventail. On refait ce mouvement. Les mains dessinent une courbe, on les ramène et on avance en position de l'arc en poussant avec l'éventail. Faites-le avec moi, la poussée horizontale du yin-yang. Quelles sont les caractéristiques du Kung Fu de l'éventail? Le Kung Fu de l'éventail est une sorte de Tai Chi avec armes. Il a surtout été créé pour entretenir la santé. Le Kung Fu de l'éventail contient la quintessence du Wushu traditionnel. Il allie la danse de l'éventail à l'habileté et la fluidité du Tai Chi et réunit des mouvements de différents styles de Wushu. Cela donne ainsi un savant mélange des mouvements du Wushu et du Kung Fu avec l'art musical. On y retrouve des mouvements de plusieurs styles de Tai Chi Chuan, des Petit Tai Chi, de l'opéra de Pékin, de la danse, etc. Maintenant, on passe à le soleil levant de l'Est. Commençons. À partir du mouvement précédent, on recule le poids du corps, on lève le pied droit et en même temps on place l'éventail au-dessus de la tête. L'éventail dans la main droite, on décrit une courbe vers le bas avec l'éventail et la main gauche. On ouvre l'éventail, la position ressemble au soleil levant. On refait une fois. Faites-le avec moi. Le soleil levant de l'Est. Ensuite, passons à le drapeau flottant au vent.
Dans ce mouvement, le corps ressemble à un drapeau qui flotte au vent. Voyons-le ensemble. On recule le poids du corps et on amène l'éventail à gauche. Puis le poids du corps passe à l'avant et on referme l'éventail. On avance en position haute du pas vide, puis on ouvre l'éventail, la main gauche sur la taille, on regarde à gauche. Faisons ce mouvement ensemble. On recule le poids du corps, puis on le transfère devant, on avance et on ouvre l'éventail. Allez-y avec moi, le drapeau flottant au vent. La pratique de la calligraphie et le kung-fu de l'éventail ont hérité des mêmes principes théoriques de mouvement. Le corps doit être droit, centré, détendu et attentif, alternant force et souplesse. Les meilleures œuvres calligraphiques ont généralement une forme de caractère élégante et flottante, des traits gracieux et une ingénieuse disposition. C'est la même chose pour la pratique de forme de kung-fu de l'éventail. On cherche un mouvement lié et léger, alternant calme et vigueur, donnant un spectacle visuel très esthétique. Maintenant, pratiquons les mouvements de cette leçon. L'ouverture permet de réguler la respiration. Réguler la respiration est une étape indispensable dans la pratique du tai chi et du wushu. Pratiquons ceci ensemble. Après l'ouverture de la position, on coordonne la montée des mains avec l'inspiration. Puis on descend lentement les mains en expirant. On peut répéter ce mouvement afin de réguler la respiration. Inspiration. Expiration. Pratiquez avec moi l'ouverture. Point clé de la poussée horizontale du yin-yang. Ce mouvement nous apprend à emmener les mains par la taille. Le mouvement est fluide et lié, exprimant le fil continu du tai chi chuan. Faisons-le ensemble. Les mains dessinent une courbe vers l'extérieur de manière continue, puis on les ramène devant la poitrine, on avance et on pousse devant avec la paume. Faisons la poussée horizontale du yin yang ensemble.
point clé de Le Soleil Levant de l'Est. Ce mouvement nous apprend la stabilité dans le jeu de jambes. Ce dernier doit être distinct et contrôlé. L'ouverture de l'éventail doit être sèche et bruyante. Allons-y ensemble. On recule le poids du corps, on saisit l'éventail, puis on avance en position de l'arc et on ouvre l'éventail. Je le refais de côté pour vous montrer. On recule le poids du corps, on saisit l'éventail, puis on avance en position de l'arc et on ouvre. Allez-y avec moi, le soleil levant de l'Est. Le mouvement « Le drapeau flottant au vent » exige une position gracieuse et le corps bien droit. Faisons ce mouvement ensemble. On ramène l'éventail, on le ferme et on l'ouvre. Allez-y avec moi, le drapeau flottant au vent. Maintenant, on enchaîne les mouvements. On s'arrête ici pour ce cours. Je vous laisse regarder la première partie de la forme du Kung Fu de l'éventail du style Kray Yuan. On se retrouve au prochain cours.